petite chose que j'ai découvert, et vous savez que j'ai passé pas mal de temps sur internet pour vous faire un petit peu découvrir des cadeaux de Noël sympas, et j'ai découvert autre chose aussi, toujours à la recherche de la box idéale. J'ai découvert une box et je me suis intéressée à cette box parce que je me suis dit ça a l'air assez sympa ce truc. Et puis plus j'ai creusé et plus je me suis dit ce truc c'est vraiment du feu de Dieu, c'est vraiment hyper sympa. Je ne vous ai pas attendu plus longtemps, de toute façon vous l'avez vu, je tiens pas en place, je ne sais pas pourquoi. Vous l'avez vu dans le titre, la box s'appelle La Petite Attention. Alors déjà le nom de cette box je la trouve hyper sympa parce que voilà, ça fait penser aux petits cadeaux, aux petites choses comme ça. C'est pas forcément une idée cadeau de Noël, quoique ça peut l'être. Voilà, mais je trouve que c'est. Je vais vous expliquer le principe. Alors j'ai reçu ça aujourd'hui. On reçoit ça dans un carton comme ça et vous avez marqué La Petite Attention by Gustave et Rosalie dessus. Donc vous savez que c'est ça. Donc je vais ouvrir tout de suite et je vous parle après de ce que c'est. Alors quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, voilà, vous avez ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc déjà, vous avez un petit paquet comme ça, cadeau, qui est très joli avec des petits pandas d'ailleurs, Mélanie ou Mandy, si vous passez par là, je pense que vous allez aimer ce papier cadeau. Et vous avez ceci, une anti-sèche. Alors pourquoi? Je vous explique. La petite attention, c'est une box. Je vais prendre sur mon portable parce que j'ai toutes les infos et je ne veux pas vous dire de bêtises et je vais vous dire ce que la marque m'a envoyé parce que franchement, c'est super sympa. Alors en fait, la petite attention, la box, la petite attention part d'un principe. C'est Gustave et Rosalie qui habitent ensemble. Donc voilà, ce sont deux Parisiens de 25 à 40 ans. En couple depuis un petit moment, qui vivent sous le même toit et qui s'amusent à envoyer des newsletters bon plan par semaine à plus de 80 000 abonnés. Pour leur recommander des restos planqués, des bars insolites, des idées voyages, des idées week-end, etc. Donc déjà, l'idée, je la trouve vraiment très sympa. Et qu'ils accompagnent donc des couples parisiens pour leur donner des petites idées, des petits trucs comme ça. Ils ont fait ça pendant 3 ans et ils ont plein de projets. Et ils sont passés en fait à la seconde étape de leur projet qui est de sortir la box La Petite Attention. Et dans chaque box, en fait, dans la petite attention, vous avez un cadeau chaque mois pour votre moitié. Voilà, c'est simple, il y a une box homme, une box femme, et vous avez un cadeau qui est réfléchi chaque mois pour votre moitié. Donc j'ai trouvé ça franchement super top, parce que, comme ils disent, des preuves d'amour plus régulières, c'est toujours sympa, et les petits riens qui font les grands tout. Voilà. Et ça, c'est totalement vrai. Il faut penser à faire des cadeaux à sa moitié sans forcément avoir d'objet, de but, pas un anniversaire, une fête ou je sais quoi. Juste un petit cadeau comme ça qui fait plaisir. D'ailleurs, je sais pas si vous pourrez le voir. Non, vous pouvez pas le voir, je crois. Là-bas, quelque part dans le fond, mon mari m'a fait un cadeau il n'y a pas longtemps. Il m'a fait un joli bouquet que j'avais mis sur les réseaux sociaux et j'ai adoré parce que c'était un cadeau comme ça sans but et j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc chaque mois, la petite attention propose deux options. Donc un cadeau pour lui, un cadeau pour elle. César, Gustave, pourquoi je veux l'appeler César? Gustave et Rosalie, désolé Gustave, négocient en fait avec des fabricants pour obtenir des prix hyper sympas. Donc chaque cadeau est une valeur comprise entre 60 et 100 € et vous payez la box 40 €. Donc voilà, franchement ça vaut le coup parce qu'on peut recevoir des jolies choses. Moi je ne sais pas encore ce qu'il y a là-dedans, mais j'ai hâte de savoir. La petite attention, c'est aussi un ensemble de services, de l'emballage personnalisé des cadeaux à la livraison domicile ou au bureau. Voilà, si par exemple monsieur vous faites un cadeau à votre femme et que vous voulez pas que ça arrive à la maison parce qu'elle y est, ben, vous pouvez vous le faire envoyer au bureau. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper sympa aussi. Et pour que la personne qui achète la box sache ce qu'elle va offrir à la personne à qui elle a demandé sa moitié, en fait, ils joignent à chaque fois une petite anti-sèche rédigée par Gustave et Rosalie eux-mêmes, qui raconte le produit, son histoire, en expliquant pourquoi il est pertinent de faire ce cadeau à ce moment. Donc j'ai trouvé ça franchement top. Et il paraît qu'il n'y a pas d'amour, seulement des preuves d'amour. Voilà. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de la petite attention. Franchement, j'ai trouvé cette histoire vraiment cool parce que ça vient d'un couple et c'est une idée qui est vraiment géniale. Donc l'anti-sèche, c'est ça. Donc vous recevez cet anti-sèche là et vous avez un petit édito derrière. Donc ça, à première vue, moi j'ai juste lu ça, j'ai pas regardé derrière encore. J'ai vu que c'était la box et moi j'ai reçu la box de ce qui était programmé pour septembre, puisque je leur ai demandé de m'envoyer une box pour tester. Ils m'ont dit oui, bien sûr, hein, je vous le dis toujours, hein, c'est une box en partenariat, mais comme vous savez, je vous dis toujours ce que je pense réellement de ces box. Pour l'instant, je suis séduite du concept, à voir ce que je vais avoir dans le paquet.
Donc, tout en me mettant comme si c'était mon chéri qui me l'avait offert, bien entendu. Donc, sur l'édito, je vais vous le lire parce que franchement, je l'ai lu et je l'ai trouvé hyper sympa. Les vacances sont nomades. Faut savoir que c'était la box de septembre. Les vacances sont nomades. La routine est sédentaire. Que ce soit en Thaïlande, au Pérou ou dans le Tarn-et-Garonne, vous avez passé votre été loin de cette vicieuse accompagnatrice de votre vie quotidienne hors saison. Mais voilà, la rentrée vous a amené au foyer et la routine vous semble plus menaçante que jamais. Qu'elle est entre le sèche-linge et la machine à café, pour la calmer immédiatement, rien ne remplacera jamais un cadeau de septembre. Un présent qui rappelle à l'autre que malgré les voyages en train, en voiture ou en avion, les sacs de plage, les valises trop lourdes et les emails qui reviennent brusquement envahir vos téléphones, vous avez tout de même pensé à elle. Dans un couple, les petits riens sont les grands tout. Gustave et Rosalie. Voilà. Franchement, j'ai trouvé ce petit mot hyper bien pensé, hyper bien fait. Et là, quand je retourne, bon, voilà, je suis spoilée, j'ai vu ce qu'il y avait dans la box et... Wouh ! Vous avez l'anti-sèche. Donc, je vais ouvrir le cadeau et je vous parlerai de l'anti-sèche après. Donc, le cadeau, ça se présente comme ceci. Donc, déjà, l'emballage cadeau, il est trop mignon, avec des petits pandas comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il y a de beau là-dedans ? Alors, waouh ! Déjà, vous avez ceci. Donc, c'est une petite pochette marquée 1951 Maison Française. C'est une maison que je ne connais pas. Et quand on retire, vous avez une très jolie pochette comme ceci. Elle est superbe. Elle est superbe. C'est un effet piton comme ça. Vous avez 1951 de Gravella. Donc au niveau de la fermeture, c'est une fermeture blanche qui est originale sur un sac noir, je trouve. Vous avez la petite tirette comme ça qui est en piton comme le sac. Et à l'intérieur, vous avez une petite chaînette qui est en laiton un peu mat. Ouais, assez sympa. Donc que vous pouvez mettre ou enlever. Je vais vous la mettre pour vous la montrer. Hop, donc voilà, ça vous fait un petit sac pochette comme ça, c'est hyper sympa, franchement. À l'intérieur, alors on va regarder l'intérieur, ça a l'air d'être franchement du fait main et par rapport aux coutures et tout, ça a l'air d'être, ouais. Je connais pas du tout la maison 1951, j'essaierai de faire des recherches et je vous mettrai quelques petites infos, soit sur l'écran, soit en barre d'infos. Donc à l'intérieur, c'est en Vichy, enfin en petit pois blanc comme ça avec du rouge. Vous avez le petit truc 1951 en piton comme le sac. Ouais, franchement la pochette elle est trop belle. Elle est trop trop belle et je sais pas si je vous allez arriver à voir. Les finitions sont vraiment hyper bien faites et en plus de ça, vous avez franchement l'impression que c'est du fait main quoi, c'est... Franchement, c'est un très très... Je me remets au fond. C'est un très très joli cadeau. Je suis hyper fan. Et ça sent le cuir, quoi. Ça sent vraiment le cuir. C'est trop beau. Trop trop beau. Donc, on va regarder l'anti-sèche. Parce que l'anti-sèche, c'est ce que vous recevez, vous, en tant qu'homme. Puisque là, ils m'ont envoyé un cadeau femme. Donc, en tant qu'homme. Donc, ils mettent l'anti-sèche Small is Beautiful. Donc, oui, un petit sac. Donc, c'est Small et Beautiful. La petite histoire. Donc, 1951 est une maison française spécialisée dans la petite maroquinerie. Ici, on ne se perd pas en digression, préférant se concentrer sur la pochette pour femme, le must de la marque. Après avoir hérité de l'atelier de son père et en avoir fait une enseigne travaillant avec Cacharel, Gérard Darel ou Valentino, Pierre Yong Chung a décidé de mélanger ses influences pop avec le savoir-faire de l'atelier de son papa, proposant ainsi des collections transversales, naviguant entre l'indémodable maroquinerie française et un style actuel arty. Et je suis complètement d'accord. Vous avez également pourquoi Rosalie a aimé, parce que c'est simple, beau, que ça va avec tout et que ça la changera de son sac à main souvent trop grand pour le peu qu'elle y trimballe. Et ça c'est vrai parce qu'en fait souvent nous les femmes on a un énorme sac à main. Et les petites pochettes comme ça, quand on fait du shopping ou des trucs comme ça, c'est vraiment sympa. Et le cadeau, donc c'est une pochette 1951 en cuir piton noir, large, avec chaînette en laiton mat. Voilà. Bah écoutez, voilà, donc monsieur, s'il avait commandé ça, il recevrait ceci. Donc il sait exactement ce qu'il y a comme cadeau, donc pas de surprise à l'arrivée. Et franchement, bah voilà, il peut offrir le cadeau à sa femme en rentrant le soir. Et je trouve l'idée hyper, hyper sympa. Franchement, je crois que... J'essaierai la box homme au moins une fois pour offrir à mon chéri parce que je trouve l'idée hyper top, je trouve l'idée vraiment géniale, voilà, c'est juste top, ça casse la routine, ça fait des petits cadeaux comme ça sans but précis et j'adore, voilà. Donc je vous remontre une dernière fois la pochette parce qu'elle est vraiment trop trop belle, je suis fan, je suis totalement fan, elle est magnifique cette pochette, voilà.
Et cette odeur de cuir, franchement, c'est hyper top. Donc voilà, j'essaierai de voir un petit peu si, je sais pas exactement, ça t'est pas marqué dans le mail. Donc j'essaierai de voir un petit peu avec la personne que j'ai eu en contact, savoir si vous pouvez choisir un petit peu les idées cadeaux ou donner des pistes ou pas pour les idées cadeaux, savoir si ça peut coller à votre épouse ou pas ou à votre ami ou etc. Je vous essaierai de vous mettre tout ça là quelque part, vous inquiétez pas. En attendant, moi je suis hyper contente que la petite attention m'ait fait confiance et m'ait envoyé ça parce que franchement, je vous parle de cette box, mais je vous en parle vraiment parce que j'ai franchement adoré le concept, comme vous l'avez compris, je pense. Et ben, le cadeau, c'est un superbe cadeau. J'essaierai un peu de chercher le prix exact de cette pochette et je vous le mettrai là quelque part. Voilà, ben, j'espère en attendant que cette petite vidéo vous aura plu, que le concept de ma petite attention vous aura plu. Moi, je suis conquise. Je vous fais à toutes et à tous. Je remercie d'ailleurs, je crois que c'est Jean qui m'a contacté, que j'ai eu en contact. D'avoir accepté. Je remercie aussi Gustave et Rosalie de m'avoir fait confiance. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt.